l'exploitation le 20 février, normalement, les encours, les producteurs devaient être impliqués dans le calcul des encours et même la prospection des marchés de l'oignon dans le Sénégal. Donc, comme que les producteurs ne sont pas invités dans ça, on ne pourrait pas savoir le degré du mal qui nous attend. Mais c'est après, maintenant, quand on a dit le gel est importé, il y a 65 000 tonnes qui est dans le pays, c'est maintenant que nous, en tant que producteurs, on a connu le drame qui court derrière nous. La responsabilité du ministre du Commerce, c'est quoi? Sa responsabilité est grande parce que c'est lui qui gère le secteur du commerce. C'est lui qui gère tout ce qui est lié à la commercialisation du produit dans le pays. Donc, à la veille, lui, il devait non seulement l'ARM, qui est une agence de régulation, mais qui n'est pas une agence de commercialisation, donc il devait associer l'ARM, les producteurs, et les services du commerce pour pouvoir ensemble trouver une solution avant même que le gel des importations soit effectif.